J'observe et je formule des hypothèses. 1. Quel est le nom du site représenté par l'image? Le site, c'est le palais d'Alhambra. 2. En quelle langue ce nom est-il exprimé? Ce nom vient de la langue arabe, la forteresse rouge. 3. Ce site est-il ancien ou nouveau? Quels sont les indices qui t'ont permis de répondre? Ce site est ancien car l'Alhambra est une cité andalouse à Grenade. L'Alhambra. L'Alhambra est une cité platine andalouse située à Grenade, en Espagne. Il s'agit d'un riche complexe de palais, de jardins et de forteresses. Tout comme beaucoup d'autres constructions musulmanes de la même époque, l'attrait de l'Alhambra provient des décorations intérieures et compte parmi les plus belles de l'art andalou. Il provient aussi de sa localisation à l'origine d'un paysage parfaitement intégré au décor préexistant. À l'origine, Alhambra vient de l'arabe Al-Qala Al-Amra, la forteresse rouge. C'est une ville fortifiée, ou Médina, qui occupe la majeure partie de la colline La Sabika. La Grenade musulmane avait son propre système de fortification, ainsi l'Alhambra pouvait fonctionner de manière autonome par rapport à la ville. Tous les services nécessaires pour la population résidente s'y trouvaient, palais royal, mosquée, école, atelier. Le style grenadin art de l'Alhambra représente l'apogée de l'art andalou. L'intérieur de cet édifice est un chef-d'œuvre de l'architecture et la décoration musulmane, arcade en cintre, fontaine, jardin, cour, patio, mosaïque en faïence vernie. L'Alhambra est déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO lors de la session du 2 novembre 1984 et a même compté parmi les 21 candidats pour devenir l'une des 7 nouvelles merveilles du monde.